Los Angeles. Allez, ok, papa, on va aller voir le site. Oh, papi, Kamwasi. Ok. Kamwasi. Kamwasi. Chérie, n'a pas le barassement à Boké. Tu n'as pas le barassement à Boké. Didier Bakou de Los Angeles. Allez, ok, papa, on va aller voir le site. Oh, papi, Kamwasi. Ok. Kamwasi. Kamwasi. Chérie, n'a pas le barassement. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibien-être.com. C'est un 1er avril d'une grande première pour la République démocratique du Congo. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa-Tuluka. Une femme chef du gouvernement, il fallait au-delà de la volonté du président de la République un profil de taille et une intelligence avérée comme celle qu'incarne Judith Suminwa-Tuluka. La fin de la journée de ce lundi annonçait les couleurs d'un grand événement avec la réception par le chef de l'État de Jean-Michel Samalou Kondé venu présenter le dernier rapport de sa gestion des affaires courantes du gouvernement. Dès sa sortie du bureau présidentiel, c'est son successeur qui prend place et apprend par le président de la République lui-même les nouvelles fonctions qu'il va assumer. Presque au même moment, et en direct sur la télévision nationale, le porte-parole du président de la République rend publique l'ordonnance avant que l'heureuse promue ne la rejoigne et ne prononce ses premiers mots. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des 6 engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. La nomination de Judith Suminwa-Tuluka est une preuve de la marque de confiance du président de la République à la junte féminine. Première femme Premier ministre de la RDC, celle qui était encore ministre d'État au plan jusqu'à sa nomination, est une experte senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience en gestion de changement. Face à elle, se présentent des urgences au niveau notamment sécuritaire avec la guerre dans l'Est, aussi la poursuite de la relance économique du pays ou encore l'emploi des jeunes. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchapper d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. La nomination de Judith Suminwa-Tuluka est la preuve éloquente que face à une intelligente féminine avérée, point n'est besoin de brandir la notion du genre. Monsieur le coordinateur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous retrouvons ici en train de festoyer
C'est quoi la nouvelle? En tout cas, monsieur Jonas, vous avez compris que la fête commence. C'est des, en tout cas, double black. Nous sommes en train de célébrer la nomination de notre leader, notre mentor. Nous sommes à Jitu, c'est l'association des amis de Judith Toulouka, à Jitu. C'est depuis quand? Association des amis de Judith Toulouka. Cette association a été créée il y a une heure. Il y a une heure, mais nous avons déjà nos statuts ainsi que nos règlements intérieurs. Oh. Alors, on ne va pas laisser les Né-Congo jouir seul. C'est une victoire de toute une nation. Je suis leader au Grand Kassai. Je demande à nos amis Né-Congo de venir massivement adhérer à la JITU, l'association des amis, de Judith Toulouka Asbel. Vous avez le siège, c'est où? Oh, le siège, déjà, avec ce que nous faisons comme travail, nous sommes encore dans la rue. À très bientôt, dans le cas de ces frais d'installation, nous aurons un siège très sérieux. Ok. Très sérieux. Nous vous remercions. Je vous en prie. Merci. Directeur Mamba, tu peux si mbote? Mbote, de vos papiers comme moi. Tu es au Lukayo, tu es bakate qui au Talakabiso, na chaîne na biso à tout moment. Tu bimisa ki sije moko au Lelo Beta Mikolo, il y a ma kamitali agriculture. Au Talibiso, au Monikédo, papi, comme moi, si tu l'as d'accueil, mais Maïa Bimissi Mbalo, ils aillent à solo, mais ils ont la limite parce qu'ils ont les spécialistes qui étaient dans le domaine. Wana. Solo. Tu es au Lukayo pour Benaki Bisso, au éclairé. Tu l'as dit que Nzala, Nézo Pesa, Koko Sope, Namoko Njamboka, pour être Bagrad Naye Mata, Kumbu Naye Mata Makasi. Bana ya poto bagadi balobi ah toza na solution toza na ba graine ba semence toza na ba tracteur mais bino kuna bolingi exonération te toya nango ndengeni yo benginga balobi te solution ezali papa mokonzi ya ekolo esi a signa loi eza ko exister pour na exonération nga na yo ba detail pa na yo pour ba badali bana ya mboka ba sepela ba mona ke aussi bobo ngisa makambu mais information bazwate naye kotuna motune ya liboso est-ce que il y a solo penza exonération ezap existe na Congo ndeko papi na confirmer yo na loi portant principes fondamentaux ya agriculture biloko misatu eza éligible na exonération obtobengi intrant agricole ezali engrais. Ils ont des semences, ils ont des produits phytosanitaires et certains matériels liés à l'agriculture. Donc, puisque dans certains matériels, ils ont listé, ils ont arrêté, ils ont fixé par le matériel. Ils ont éligible une exonération. Il y a un lobby dans le Congo, le Congo, machette, même les tracteurs, ils ont éligible une exonération. Ils ont éligible une exonération. Ils ont éligible une exonération. Qui sont répertoriés parmi ces intrants-là, ils sont éligibles à l'exonération. Mais pour certains matériels, ils ont la liste, Oyo, ministre de l'Agriculture, Azoa, Oyo, ils ont la question que Oyo, ils sont éligibles à l'exonération. Bon. Donc, démarche, ils ont manqué. Ce qui est au moins que Olingi Kokot, ça va intrant, au commis Moukanda, le ministre de l'Agriculture, ministre de l'Agriculture, ils ont un service technique pour analyser. P a perçu exonération au lekina finance et finance entérinée batini na douane. Donc bandeko bakoki ko kolobate que mesure wana ezate lo portant principe même ezat sur modification mais ba principe wana ezat calé définitivement et bele pe bazoya mais bana mboka nde baza distrait. Ok, hein. Sur l'équipe locale, sur laquelle on a police, qui va payer, vous avez un peu de samedi, qui va tracteur, qui va semence, c'est-à-dire information de qui m'a monté. On ne connaît pas. On a dit que ce que nous avons dit, c'est que les Congolais sont en train de se faire. Tout le monde, au Yézo Salima, que Bandeko est belé, et Zalabazan a porté Zalabazan Wapi,
les amis qui va payer bazali pour appliquer baza pour jouir dans la disposition à la loi puisque ils sont égaux devant le principe de commerce. Donc oyabiso okoyo kabazo beta tangwa azor lingaya na na mutuka munene et tout ça la loi qui peut venir avec du matériel aratoire et ça ça va ndeko et ça ça va producteur. Il a la chance d'être de bénéficier de ça. Alors, directeur, je m'a tout rappelé Batuki Af dans le ministère de l'Agriculture, hein, puisque vous avez dit directeur, dans on a toute la question. Donc, c'est-à-dire, les engrais, les semences modernes, les semences, les semences, les semences, les semences, les semences, les interdits les semences, les semences, les semences, les semences, les semences, les semences, les produits phytosanitaires. Oko koma mukanda. Soko komi mukanda démarche ezali et bandi. Oko ya un échantillon. Et ko zala soumis une analyse de risque. Puisque ezamboka de poto arte. Toza na 240 points d'entrée au Tolobaka frontière. Donc ezali de poto arte. Donc soki ezali kozali produit phytosanitaire. Oko subir analyse de risque, analyse chimique, tina test d'efficacité. Soki tomoni kezali bien pour ekota. Au côté sikoyo oyoko senga exonération mais ceux qui analyse wana et la qui que produit wana ko kota te et ko ko kota te na pesio exemple il y a du chlorovos ou les lo ezali sniper ou ezali delta force c'est un produit cancérigène très dangereux mais ko kota ngona ba lieu public ba na musu ba tambola nango et ko ki ko tambola jamais les gens doivent enlever ça de leur tiroir donc on a déjà Ezali garanti que la démarche, tout est sous contrôle. Les avantages sont donnés. Les gens ne suivent pas, ne veulent pas en bénéficier. Il y a quelques mois, le gouvernement avait même exonéré l'entrée à semences. Il y a Masango, na Masango même. Mais combien ont demandé? Les gens sont distraits. Hein? L'agriculture, c'est le socle, il y a développement et il y a réduction en pauvreté. Ce qui est aux autres, il y a moutouté, il y a politique, il y a opposition, il y a pouvoir, il y a kaka agriculture. Hein? Il y a un moussa, il y a un moussa, et puis ça moussa. Donc, ce qui est au kangi, il y a un moussa, 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 il y a un moussa. Donc, procédure, pour maintenant comprendre facilement, nous avons un tracteur, il y a un poteau. Alingi aya nango awa na Congo po esali sabayi mboka. Donc azana bilanga azana ngote pour exonérer ou bien procédure na ye eza simple. Azali na matériel agricole. Azato na semence, azato na engrais, azana nini akokomela ministre azali na makambo ya bilanga en charge, le ministre de l'agriculture. Il lui écrit pour demander l'exonération. Okay. Donc il demande l'autorisation d'importation et l'exonération. Puisque dans l'autorisation d'importation, on étudie ceux qui sont là pour dire que c'est ça. Ils ont répondu à la norme. Ils ont dit que c'est ça. Ils ont dit que l'Union sur le côté de la ils ont une norme qu'ils doivent respecter. Voilà ce qu'ils ont. Ils ont appliqué l'analyse des risques. Ceux qui ont été acquis, ce qu'on va dire, exonération. Ils ont un peu de temps. Donc c'est ça la démarche. Ils ont compliqué. Si vous ne pouvez pas mettre la semence, vous ne pouvez pas mettre la semence, mais il y a un bilan à faire. À côté ici, il y a un bénéfice de l'exonération. Maintenant, il faut acter que la semence soit prise assez ou bien que la terre commerce en plus. Ndeko, avantage fiscal au bas au pays, ils allaient tenir compte des bénéficiaires finaux, c'est-à-dire des producteurs. Yo le lo ba pesio exonération. Tu as 90, plus de 90% que tu ne payes pas. Oye ozana officine de vente il y a semences. Il faut ôter que yango ba producteur n'a plus assez. Puisque yo ozana avantage. Au foutu à l'état pesio avantage. Mais ce qu'on bateau ozo ya côté que là, eza bateau à bilanga, bazaka na bon côté. Il faut qu'il s'apprenne à yo, puisque yo a eu avantage déjà dans l'État. Mais tu comment est béré à Kokenesko pour rouler par producteur. Il faut mission à mission, ils ont ouvert
pour que batobongo a cause exonération te. Ce quoi est-ce que le ministère a agriculture besoin d'un moyen besoin d'un agent besoin sur le terrain pour surveiller bas prix n'a pas tout besoin exonération. Ministère de l'agriculture, ils a beaucoup y a ministère au après église après église azana bajan ti na chefferie ti na village donc tozana ba agronome de territoire ba agronome de secteur tozana ba agronome na étape nyoso mais qui passe aussi des moments très difficiles musana na bango ya ngone il faut batala puisque nous avons la terre nous avons l'argent mais nous avons les hommes suffisamment formés mais qui ne sont pas rémunérés comme il le faut. Mais Bazali, Bangouanende Bazali, aux côtés des producteurs du matin au soir. Le produit interdit au lobby, ou au lobby qui est sur le monde, dans la liste, produit écoute en Congo il faut ça la homologuer c'est-à-dire que direction Oyo est dressé document et le but que document produit ils ont répondre à la norme internationale si Koyo document on a homologation dès à pour présenter en on a douane partout mais bien sûr peut être comme moi au moins entrée tozana rappeler tozana plus ou moins 240 points d'entrée. Plus ou moins. Je suis allé à 400. Donc, ici, il y a commerce, c'est Seigneur de Salem. Mais au cas moi que le produit est traversé frontière officielle, mais se retrouvé dans le cola, na baoba na beach, na simasoza comme tout ça, na bicycle belé, tu au coup na manzangung. Le produit qui ne sont pas homologués, qui se retrouvent sur le territoire national. Mais les noms, nous avons fait cet exemple. Au talango, dichlorovos. Et ça, c'est un produit cancérigène, un produit interdit partout. Puisque le produit, puisque produit systémique est un produit systémique. Mais il y a un produit qui est 4 signes de fraude dans le point de source. Et ça déjà en circulation. Ce sont des produits interdits, mais qui se retrouvent sur le marché. Nous en appelons à la conscience. Mais pourquoi vous êtes en avant? Mais pourquoi vous êtes en avant? Vous avez des produits à Mabé. Quand on a un supermarché, comment on a produit mon commis? Supermarché, nous sommes ça va commis sniper. Comment on a commis du chlorovos? N'achetez pas, vous achetez le cancer, vous achetez la mort. N'achetez pas. Mais ces gens-là le font entrer dans le produit d'alimentation. Dans le produit d'alimentation. C'est pourquoi nous renforçons les mesures de l'inspecteur phytosanitaire basé à la sermenté. Ce qui est qui se produit, il n'y a pas de kangami, il n'y a pas de kangami. Donc c'est ça. Tu as un message, information qui circule dans les réseaux sociaux comme quoi que le produit est utilisé dans le Congo central partout. Et ça, il y a ma bébé, et ben nous, bébé, ça bilaye. Donc, ça dit, il y a un peu comme il y a un danger. Tu vois, la guerre dans l'Est, tu vois, il y a un danger alimentaire. Mais, il y a un lobby, il y a un acheté, il y a que le produit qui ne peut circuler, ce sont des produits homologués. Liste, il y a un peu. Ce que l'on a utilisé pour produire dans Ndunda, dans Bilanganayo, il faut vérifier auprès de. Agronome, il y a secteur, il y a territoire, ceux qui produisent, ils ont homologué. Ceux qui ont homologué, c'est comme ça, les langotés. Puisque homologation signifie qu'on a vérifié que le produit a un danger, et comme ça. Tout comme produit, il faut que tu et quelques temps après, on découvre que ils ont un danger pour la santé, donc il ne faut pas que ça soit n'importe quoi. Au moins, ils ont là. Et la pona ba minganga et la pona nini qui signons sur ça la kangote. Donc les gens doivent être vigilants parce que la santé n'a pas de prix. Directeur, tout que nous avons un programme il y a 145 territoires. Quand on voit un bâtiment administratif, hôpital, tout ça, école.
Est-ce que bilanga pesa na kati? Na 145 territoires état posé banda. Exemple étape ya bilanga. Eza na étape ya semence ndeko na ngai. Toza na kokoso pona ya Italie semence. Nous avons une sous-production en semence. Donc c'est nous qui avons relancé filière semencière Mobimba. Puisque il y a un résultat de production. Donc, les alliés dans quatre semences, tous ont un problème à route de dessert agricole. Ils ont un quatre. Puisque le problème au Tozaganango, moi j'ai toujours dit, et la preuve à l'appui, tous ont un problème d'accessibilité et non de disponibilité. Bah, tu es béré, bah, ça n'a produit, oh, il va, et qu'on bimate, hein, oh, ils ont posé problème. Donc, si on arrive à résoudre le problème de route tertiaire, de dessert agricole, et bimie, et qu'on coûte à rana, bah, route principale, on a, à ce moment-là, une évaluation claire. Les lotos alliés n'ont déficit, il y a un céréal de 9 millions de tonnes, céréales, aujourd'hui, masango, losso, bah, millet, sorgho, tout le monde a légumineux, ce genre de déficit à plus ou moins 3 millions de tonnes. Mais on peut résoudre ça. Aujourd'hui, en augmentant les rendements ou en augmentant les superficies. Donc, tout ça, c'est possible. C'est aujourd'hui ou jamais on doit travailler sur l'agriculture. Sur l'homme, sur les capitaux et sur la terre. Il faut aujourd'hui qu'on y travaille sérieusement. Directeur, tu as dit qu'il y a sécheresse. Côté à Katanga, est-ce que c'est vrai? Sécheresse est banni en Afrique australe, Mobimba. Hein? Sécheresse est banni en Afrique australe, Mobimba. Afrique australe, ezali production ya masango est diminuée. Bato yo bazako fournir ezala farine, ezala nini na Congo ont connu la pénurie. Donc dans les mois qui viennent, nos fournisseurs n'en auront pas. Donc ça aura l'impact sur la province de Katanga, hein, dans son ensemble, et sur Kinshasa, puisque d'autres farines viennent de l'Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, on doit déjà tirer avec déficit au Bissot-Zanango. Nabato Bazako fournit Bissot, on doit aujourd'hui voir d'autres fournisseurs. Puisque avant d'atteindre, de combler notre déficit, on doit importer. Mais pas à n'importe quel prix. Donc, ce ne sera rien là parce que la Katanga, quand on fait aux Angas, on va marcher, on va marcher. Ah, mais nous allons les pardonner. Nous allons les pardonner. Alors, c'est un discours. Solution, solution, il y a Bissot, passe par deux rangs. Au moins, net ici. Bateau, nous, ce ballon, dans la saison B. Baza déjà en train de récolter. Il faut qu'on arrive à évaluer cette production-là. Aujourd'hui, Batebele Baza vous récolter, Baza n'a silo, place à vous stocker. Donc il faudrait qu'on envisage déjà comment quantifier la production de la saison B. Au mois de septembre, au mois de juin, juillet, va commencer la récolte dans les Katanga et autres. Donc, il faudra qu'on arrive à évaluer cette production et qu'au Fongolanzela, un hectare, qu'il y a un hectare de maïs, ils ont entre 700 et 900 dollars. Il faut favoriser certaines facilités locales, là. Distribution de semences, distribution d'engrais, distribution de. Avoir une bonne politique pour là où il est possible de faire la. La mécanisation agricole, avoir une bonne politique de mécanisation agricole. Donc ça c'est trivial. Aujourd'hui, il est possible, Ndekonanga, je vous dis, sur la science que j'ai apprise, si on améliore les rendements des céréales, on améliore les superficies, si on améliore les rendements, la productivité des sols, on est possible de réduire ces déficits à moins de trois ans. Directeur Mamba, est-ce que vous avez la possibilité ailleurs, là où la production est belée, de ravitailler rapidement pour attendre en attendant que la crise soit comme ça? Mais il y a un monde à l'objet. Kala, vous avez l'eau, c'est l'eau de Tabumba, c'est l'eau de Sankourou.
tous un bassin de production. Chaque produit a un bassin de production. Il faut relancer ce bassin de production. Et à mon côté, il y a des producteurs qui sont identifiés. Travailler avec des vrais producteurs identifiés. Moussa Lanabiso Agriculture, c'est l'encadrement. Nous avons des agronomes à tout niveau qui peuvent faire l'encadrement. C'est s'occuper de leur salaire. Au Copé, c'était un agronome de territoire 15 000 francs pour encadrer Moutou. Ce n'est pas possible. Alors que la fierté du Congo, c'était la fierté de l'agriculture coloniale. C'était sur les moniteurs agricoles, sur les ingénieurs agronomes, sur ça. Or, aujourd'hui, ce sont des abandonnés de la nation. Or, c'est eux, ils ont appris pour apprendre aux autres. Donc, c'est ça. Tout ça, il n'y a pas magie. Hein? Tout le monde n'a pas brésilien, ils ont dit qu'ils n'ont pas encore vu une terre bénite, une terre, il y a Congo. Ah bon? Hein? Donc, la topographie du Congo dépasse de loin la topographie du Brésil. Donc, ils ont paradis. Donc, c'est un paradis. Aujourd'hui, il faut en tirer profit. Il n'y aura pas quelqu'un qui viendra apprendre aux autres l'agriculture. À l'époque, c'était les bigs, les titres. Yemoko, ingénieur agronome. Les lobes, ça combien? Directeur, on vous pointe le doigt comme quoi que bonjour, on n'a rien à ministère et à l'agriculture relativement pour Nakolia, Makamoto, tout aux ans, Makamébélé, puis aux autres Bangwa. Vous avez bloqué le niveau ni. Ni les Ozanga pour le ministère de l'Agriculture, ils ont la première position parce que la bouffe, c'est la solution. Ndekonangai. Et le loco Yaliboso, Oyo Mokonzambo Kassali, et la Kotina Mokonze, c'est l'état général de l'agriculture. 30 ans après, Batouba Vandate, Batouba solution à l'agriculture. Batouba Yoko Zo solution, Batouba l'état général. Baponi Zela Mitam. Zela Yaliboso, relance la production végétale. De Oyo, état général de l'agriculture. Et j'ai la solution nyonso pour la Kolongola. Agriculture, le Kolanzela, de la croissance économique durable et de la réduction de la pauvreté. Zela Liboso, production agricole. Qu'on relance la protection. Puisque Okoyi Kolona, il faut protéger. Zela Mibale, gouvernance agricole. Mibé kozo kamba secteur les autres ont la loi sur l'activité semencière. Mutunyo sapo ya kokotsa semence même ba semence aux ezali génétiquement modifiées. Mutoko kangaya nzate. Donc gouvernance agricole les loi autres ont un important principe fondamental ils ont la discussion parlement et qui yango pour modification de quelques articles. Nzela misa toza financement du secteur agricole. Et Zangai Moutouna Lobate, les chefs de l'État, Bangomoko na Maputo Baloba, 10% doit être donné au secteur agricole. 10%. À l'agriculture. 10%, il y a budget. Il y a budget en agriculture. Okay. Baloba, secteur agricole, Baloba, 10% en agriculture. Mm-hmm. Mais est-ce qu'ils ont déjà. Mais Sikoyo, Bissot, j'ai appris que cette année, on va atteindre 10%. Il y a secteur agricole. Cette année, ça dit, on va atteindre 10%. Mais décaissement, Nango. Au coquille, qu'on commande 10%. Au commune, pas. Donc, commune, la loi, 10%. Mais taux de décaissement, ils ont combien? En moyenne, 2-3%. Ceux qui ont décaissé, c'était au commune, mais aux autres décaissé, tu ne fais rien. Donc, c'est ça la solution, parce que les chefs. Alors, c'est comme ça que cette année. On nous dit que l'agriculture passe dans l'agriculture budget programme. L'agriculture est parmi les pilotes. Mais que ça commence vite. Puisque l'agriculture est saisonnière. L'agriculture est zate que il y a colonne, il y a petit moment. Ça ne marche pas. Le chef de l'État, Tikalina, 5 saisons A, 5 saisons B. Il n'y a qu'à 5 saisons. Moko déjà. Et ça, déjà, pour conseiller à l'Iboso. Et tu as dit 4 saisons. Il faut résoudre la question du déficit dans moins de 2 ans pour assurer la sécurité alimentaire. Donc, il y a l'urgence. On n'a pas autre chose à faire.
ce qui va te faire dans la bibi na balabala hein yo koti na bango ba soda mole la nini chala ah na yo kanjala mole la nini chala ah na yo kanjala pona zananza oti na le soda oti na le soda te puisqu'il fait la marche contre la faim oti na le soda te. Est-ce que c'est possible? Et moi, je vous dis que c'est possible. Puisque hier, il n'y avait pas la volonté politique. Mais aujourd'hui, le président est engagé dans l'agriculture. Mais est-ce qu'à la bonté, articulation mobile agriculture, il faut y bouger. Je vais dire comme notre frère l'a dit, la terre, il y en a. Les hommes, il y en a. L'argent, il y en a. Il faut seulement combiner ces facteurs pour avoir la production. Il faut identifier les vrais agriculteurs, leur donner leurs moyens de la politique. Ok. Bah toi, Will de Palme, bah, se plaint déjà. Will de Palme, nous allons nous y mettre avec la volonté de notre hiérarchie pour combattre les entrées illicites à Will de Palme. Oui, ils ont ailleurs, c'est ça. Ils ont embrouillé sur la production locale. Hein? Alors que nous étions à la tête de la production de l'huile de palme. Les lobatois, comme on compte, c'est changa-changa, n'importe quoi. Les producteurs, les industriels locaux ont donné l'alerte. Nous allons suivre cette filière pour voir ce qui se passe. Directeur, merci. On a disponibilité, c'était pas préparé que tout ça la émission, mais en tant que professionnel au sali qui au répondre na ba préoccupation na ngapi ba pongolo nyo sur dans à travers le monde. Donc émission oyo ba porta la yo tina Brésil partout. Alors, pour la première émission, les qui va te poser ba question, to ko ya lissus. Oyo ta première partie. Message ni nos ana ngolelo et dans la message solution. On va s'adresser personnellement dans mon compte Zamboka pour le mandat naïe bilan et nous allons y aller parce que tout n'a existé qu'à bouillaté parce que tout n'a même été parce que tout n'a pas attité parce que tout n'a eu bilan puis ça y est solution ma émission pour nous remettre les colliers et na souka peut-être au globalikamo moko au yosan on a mon thème au yo on a posé comme question que vous partagez na bande connus sur malaku tana à vous. Oyo na koloba na mokonzi ya mboka ye mutu a convoqué ki état généraux ya agriculture alobaki agriculture clé de la croissance économique durable et de la réduction de la pauvreté na mukana résolution ezali bebo et lobby avec plus ou moins 1,3 milliard en 5 ans on atteint les objectifs fixés. Mokonzi ya mboka, budget et agriculture est conforme na oyo maputo elobaki, mais est aussi disponibilisé. Yami balé, batu yo basengeli kosala musala bilanga, babengi bango ba agronome. Bango de fierté ya depuis époque coloniale tilelo. Leur condition sociale est déplorable. Yango au monde ebélé ba komiko ki ma secteur bazo ke na ba secteur ya discussion. Ya misato. Ces déficits en céréales et za le déficit ya légumineuses. Il est possible en moins de 2 ans d'agir en augmentant le rendement par la productivité ou bien en augmentant les superficies. Ma belle Zangite, donnez-vous corps et âme pour que l'agriculture marche. Avec les vrais producteurs qui ont des problèmes, qui n'ont besoin que d'une assistance. Aujourd'hui, un agriculteur, un hectare de maïs, c'est environ 700-900 $. Mais ceux qui battent Bazali, même Moutoumoukwa, ça a 5 hectares. On a résolu ce problème. Nous avons 80 millions de terres arabes. Ndenge balobaka. On doit retourner à la terre.
c'est votre soldat, la revanche du sol sur le sous-sol. Sol wana, ce qu'on retourne yango, c'est ce que nous appelons défrichage, défoncement, labour. Et kobota oyali et belé koleta. Puisque vous n'avez que 2 ans, 3 ans pour résorber ces déficits et engager l'agriculture vers l'exportation. Est-ce qu'il est possible? Je vous dis qu'il est possible, puisque nous avons tout. Oye Moussou, c'est Tikali, c'est nous. Bissot aux autres allez là, mais la question de l'agriculture ne vous concerne pas seulement vous, elle concerne tout le monde. Oye Tosomba, Badjaguar, Tosomba, Bamituka, on doit retourner à la terre en ayant 2 plantations, en ayant même développé les terres. Ce qu'on a dit, importation, et Zakande, importation, et Kenikena, Nabamboka, terre, et Zakaka, Nabasan, tu l'urbain. Mais Nambo Kabalia Kabio, Bazakabalia Kabilo Kabilanga. Donc ils n'ont que ça. Donc il n'y a que ça. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas la semence. Il faut investir dans la recherche agronomique. Il n'y a pas de semence. Il faut investir dans la recherche agronomique. Sans la recherche agronomique, il est difficile. Et il faut protéger. Les lomas sango nabiso, il y a une chenille qui attaque. Ça s'appelle les chenilles légionnaires d'automne. Ils ont dévoré ma sangou presque nous. Il faut qu'on finance la stratégie qui est déjà arrêtée. Pour nous, Nabisso, tuberculose pour la nation à Mabélé. Il y a les maladies virales. Il y a une stratégie. Il faut qu'on finance. Mais tout ça, la pilipili n'a pas d'amour. Pilipili est si libre puisqu'il y a un virus, alors qu'il y a une demande croissante du monde extérieur. Nous sommes convaincus. Ils ont attaqué le virus. Les lots. C'est-à-dire que ne faisons pas l'agriculture, la politique de l'agriculture, mais faisons l'agriculture de développement. C'est cela la chance pour nous. Puisque aujourd'hui, tout le monde est tourné vers l'agriculture intelligente face au changement climatique. Comment combiner l'agriculture, protéger la forêt, aller de l'avant. Comme vous y êtes engagé, et nous voulons que toute la population soit engagée. Et ça, c'est là que nous sommes côté. Bilangeza, tous les jours, les gens ont besoin de manger. Donc, tout le monde doit s'investir dans l'agriculture. Donc, Toti Kaba discours sur les discours inutiles, mais engageons des discours véritablement pour le développement de l'agriculture. Merci, directeur. Aujourd'hui, 32 minutes dans l'émission Nangaï Lelo, ils ont dit exclusivité. Émission Mobimbayo, Moko Barota, la monde entier. Mais ce qui est une difficulté à orienter, c'est que les gens ont un protocole et ça, c'est ce qu'on a fait. Pour que vous souhaitez avoir un directeur, tout le monde a un directeur pour la faveur, pour la vitesse. C'est ce qu'on a fait. D'abord, yo Zali Zela, ce qui est un bonheur, ce qui est le ministère de l'Agriculture, c'est le directeur de la santé des végétaux. Donc, à tout moment, l'audience est arrêtée. Nous sommes au service du peuple. J'ai fait l'agronomie pour le peuple. Donc, Ezali, ministère Nabisso, de la première, donc au banda hiérarchie, au banda ministre, secrétaire général, ils ont un mot disponible. Mais, le col va dire qu'en agriculture, donc, ils sont disponibles, tout le personnel est engagé, disponible. Tout ça, la clinique de plantes itinérance, il y a pour soigner ma plante là-bas. Nabacha, Nabango, c'est gratuit. Les gens qui ont des problèmes de maladies de plantes sur leur champ, ils n'ont qu'à nous convoquer. On vient gratuitement. Ordonnance exacte, papier à refouter exacte, ni exacte. Bon, nous avons été formés pour ça. Merci beaucoup, directeur. Naolobara, qui est Maton Domingi prochainement. Mais tout le monde, c'est pour le monde, les sources pour éclairer. Ngaï, Napesio, merci, puisque. Batubalanda kayo, mais osaka kakate na aspect politique, mais osaka na aspect développement. Tokuta inan zela aspect développement. Donc comme vous êtes un journaliste engagé na développement, donc tokuta nino nan zela développement du pays. Donc que le Congolais vous retrouve sur ce chemin de développement, puisque vous êtes un engagé, il y a agriculture engagé, il y a développement dans notre pays.
Merci beaucoup pour l'annonce. Merci. Et alors, comment est-ce que vous avez occupé le tracteur, comme vous avez sauté à ta tracteur, mon côté, et si vous avez sauté dans le Congo central, dans le bilan, dans le biso, tout ça, là, directeur. Je suis ici, Malobana, et comme... Yahweh, 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 passez à autre chose. Rendez votre logette automatique. Plus besoin de prendre des risques. Dans ce cas, SCAFME vous présente ses logettes intelligentes. Elle garantit la protection de vos appareils contre les mauvaises qualités du courant. Soyez en sécurité. Plus besoin d'aller faire des ponts des phases dans vos logettes. Car elle s'exécute automatiquement. Grâce à la logette intelligente. Une fois que vous placez ce dispositif, dénommé Pontball, votre logette sera automatisée et vous n'aurez plus à prendre le danger d'aller faire des manœuvres dans votre logette électrique. Notre adresse, limitée 10e rue quartier résidentiel, à 100 mètres de l'UDPS. SCAFME, toujours à votre service. Allez, ok, je vais vous dire. Oh, papi, comme moi aussi. Ok. Comme moi aussi. Jean. Je vais vous dire.